Et les voilà partis, on est très bien partis avec Neostar, avec Chaka Factory, avec Kassanga, avec Kassanga également, en sortant en dernière position avec Asanda. C'est maintenant le numéro 2, Nick Jock, puisqu'on vient de mal à faire, qui prend l'avantage. Côté quoi, on retrouve le numéro 8, qui est Flash Victory. On retrouve également pas trop loin, Vitesse du Vent. On est capable de vitesse avec des chevaux comme Fashion Way, ainsi que Asanda, qui se retrouve en dernière position, le numéro 4. Au bout de 400 mètres, c'est toujours le même stade. Nick Jock, puisqu'on se retrouve en position, on retrouve Vitesse du Vent. On est côté quoi avec Flash Victory. On est troisième avec Kassangana. Côté quoi, on essaie de se rapprocher avec le numéro 4, Asanda. Proto des 200 mètres, c'est toujours le 2 Nick Jock, puis c'est Mathieu Bertrand pour l'avantage sur la position. On suit facilement avec le numéro 9 Flash Victory. À son extérieur, on retrouve Vitesse du Vent. On se retrouve en épaisseur avec le Star. Est-ce que Kassangana a la victoire avec comment ça avance actuellement? À 600 mètres d'arrivée, les choses sont lancées. C'est maintenant toujours le 2 Nick Jock, puisque l'avantage Vitesse du Vent également là. On est sollicité avec le Star. On a Kassangana qui vient. On a également Flash Victory. On a côté quoi de Asanda. On a Vitesse du Vent qui est là très facile également. Pour sortir de Dona, à 600 mètres d'arrivée, c'est très facile, le numéro 2, Nick Jock, puisqu'il mène. Kassangana vient aussi, on vient avec Flash Victory, on vient avec Vitesse du Vent. C'est toujours les mêmes noms à l'avantage, c'est-à-dire Nick Jock, puisqu'on est emmuré avec Asanda. À 400 mètres du poteau, c'est toujours, c'est maintenant Flash Victory, et c'est maintenant Kassangana, il faut qu'on avance pour l'avantage, côté pendant de Nick Jock, ainsi que Flash Victory. C'est très sérieux, mais c'est Kassangana pour l'avantage, ainsi que Nick Jock, Kassangana qui va la faire, qui finit la main du fort, Kassangana numéro 2, c'est là-bas, et à Flash Victory, on vient également aussi avec. Avec Asanda, mais c'est Kassangana qui suit à ce que je suis sur le numéro 2. On se finit fort avec Kassangana. On sera troisième avec Nick Jock. C'est Kassangana qui permet à Fontoalba de signer ce championnat des Antilles qui a profité de son avantage au poids. Kassangana qui après son grand prix de la Caraïbe remporte le championnat des Antilles avec la dépôt de 52-5. Kassangana son numéro 10 qui n'importe devant. Il a fait